Salut les fous, salut les fous, vous êtes des tarés, 1083 commentaires, 118 pouces bleus, merci les gars, c'est cool, vous êtes des tarés et ça j'adore. On va pas compter les 1000 commentaires, vous en doutez bien. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder ici. Why is the... Ok, what the fuck, vous êtes des tarés, mais franchement, vous êtes des malades. Concavenator, ok, Deinonychus, il y en avait beaucoup. Concavenator, là il y en a beaucoup, là il y en a beaucoup. Spino, ok. Le Dr. Killer, Happy Val, encore lui qui a spammé comme un malade. Ok, Spino, on va essayer de faire ça rapidement quand même. Hein. Je sais pas si c'est possible. Ok, mon dieu, Spino. Bon, pour l'instant c'est Spino. Pour l'instant c'est Spino. Concavenator, on fait la roulette. Ok, Concavenator encore. Qui dit mieux? Concavenator. Concavenatos. Ok, de Adam Zarioi. Concavenator, Boss Mafia. Ok, Concavenator. Hey, le Concavenator. Hey, Oni, Oni974, Concavenator encore pour Sasuke, Norman Kari, Uterminator The Hill. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas sur Evrima pour tester Norman? En vrai, pourquoi pas? Je suis d'accord avec toi. Concavenator pour Matt. C'est qui? Matisse encore. Isabelle qui veut un Spino. Concavenator pour Sasuke. D'accord, qui dit mieux? Le grand coup de Sasuke. Le coup de pied dans la fourmilière. Concavenator, Boss Mafia qui fait encore ça. Adam qui continue. Qui renchérit. Oulina qui arrive et qui met des Concavenators. Eh, c'est le Concavenator, les gars. Comme ça, à vue d'œil, j'ai vraiment scroll pendant très longtemps sur le Concavenator. Donc je pense qu'il y a quand même plus de Concavenator que de Spino. Donc on va faire le Concavenator. Ok, on se retrouve dans le jeu et on fait le Concavenator. Alors il y a le Spinatergus, le Cacharus, il est pas beau lui hein, et le Corcovatus. Ouais, on va prendre ça hein. On va prendre celui-là, les couleurs elles sont très bien, tout noir. Allez, je fais annuler, je garde celui que j'ai. Et on rentre dans le monde. Du coup, le Concavenator il est là. Il est vraiment magnifique. Tout noir comme ça, j'aime bien. On va tester les cris pour commencer. Oh, il est puissant celui-là. Hein. Cri gentil, ça? Ça fait pas très gentil quand même. Hein. Faut que les mecs ils comprennent en face. Hein. Ouais, bon, cri méchant, ok. Ensuite, cri d'appel. Au secours, les potes! Ok, et ensuite les petites émotes, bah, ça doit être pareil à chaque fois. Ça doit être pareil à chaque fois, c'est bon, arrête toi. Toi tu t'étires, voilà, ok. Là, il y aura de droite à gauche, d'accord, ça on connaît. Ensuite, qu'est-ce qu'il a? Bah il a deux attaques, paf, et paf. Bah là, il doit sauter c'est sûr. Ouais, il saute, il fait pas des très grands sauts hein. Pas des très grands sauts, d'accord. Et niveau stam, bah écoutez, on va le tester, on va courir. Je suis à Blackwater Bayou. Il faudrait que j'aille toujours au lac, toujours la même chose. Donc là, niveau stam, on regarde un peu. En vrai, ça descend vraiment très doucement. Niveau stam, c'est pas mal. Hein. Ça a l'air vraiment pas mal. Ouais, ça a l'air pas mal du tout. Il court, j'ai l'impression, quand même assez vite. Alors, faudrait qu'on se fasse une petite course là contre un Metria ou un. Ou un Cerato, à peu près, dans la même gamme, pour voir qui court le plus vite. Mais bon, pour ça, il faut croiser un Metria ou un Cerato. Ça, c'est pas gagné. Et du coup, bah maintenant, il va falloir tester au combat, tout simplement, voir un peu ce qu'il vaut, le bougre. Est-ce qu'il met du saignement? Est-ce qu'il met de l'empoisonnement? Alors, je vais me coucher. On va juste voir ensemble, là. Déjà, s'il récupère vite sa stam. Vas-y, coucher complet. Ça a l'air rapide. Donc ok, donc pour l'instant quand même, il me fait bonne impression ce dinosaure, ouais, il me fait bonne impression. Très bien, bon ben on arrive à, enfin au lac, hein. On arrive au lac, on est content, on a toute notre stam, on a tout ce qu'il faut, on est prêt à défoncer des tronches. Bon j'imagine que comme d'habitude, Sarcosuchus, oh il y a un gars juste là, c'est quoi ça? Oh, il y en a deux, non. Ah ben on va faire la course, je pense que c'est Demetria. Oh, on dirait bien, hein. On dirait bien que c'est Demetria.
On va essayer de les, on va essayer de les agresser, hein. On va essayer de les agresser. J'ai des potes avec moi, j'ai Ignacio et Fnat. Donc c'est cool, j'ai des potes. Ensuite, deux Métria contre un Concavenator. Je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr de pouvoir m'en sortir quand même, hein. Parce qu'ils ont du saignement et de l'empoisonnement. Donc c'est pas sûr du tout. Par contre, j'aimerais bien tester juste au niveau de la vitesse. Si on peut les distancer, niveau stam. Si on peut les distancer aussi. Ou pas quoi. Je vais les attaquer, hein. Je vais clairement les attaquer. Allez, c'est parti. C'est parti. Hein, c'est parti. Let's go. Oh, je t'ai défoncé. Ok. Allez, maintenant c'est la course. J'ai l'impression qu'il y a du saignement. Il court plus vite que moi. Non. Il court plus vite que moi. Toi, viens là. Voilà. Voilà. Vas-y, je te défonce. Par contre, il va vraiment pas fort, hein, le Métria. Tac! Mort! Il est où l'autre? Il est allé dans l'eau, le con! Attends, mais je suis tellement plus fort que eux, c'est abusé! Voilà! Non, non! C'est bon, toi t'es plus gros, t'es plus gros. Oh, je les ai défoncés quoi, défoncés les maîtrises. Mais quoi, c'est abusé. Alors, est-ce que je suis super fort à ce jeu? Y'a quoi là? Y'a un herbivore, j'aimerais bien essayer de me le faire lui aussi. Mais il doit frapper super fort, j'ai plus de vie. Je sais pas. Je sais pas comment on fait pour se remettre de la vie. Est-ce qu'il faut juste attendre? Il y a quoi là-haut là? C'est un râteau ça? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je te défonce toi aussi? Moi j'ai pas peur, hein. Oh, il a l'air super fort le Concavenator, c'est abusé, hein. Je suis quasi. Ouais, je suis quasiment la même taille qu'eux, peut-être un poil plus grand. Je sais pas trop. Oh. Ils sont un poil plus grands, hein. Et je suis trop fort, c'est abusé, Concavenator! Par contre, tranquille les gars, moi je suis pas là pour me battre. Moi bon, je suis juste là pour tester des dinosaures. Pour la bande de fous qui me regardent. Le Suco, par contre, je pense qu'il m'aurait détruit. Hein. On m'aurait vraiment détruit. Tranquille, 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 tranquille. Les Sarcosuchus. What? Vas-y, ces Sarcosuchus, ils sont insupportables. Bâtard. Et vraiment, ces Sarcosuchus, c'est vraiment une horreur, hein. Je vois qu'il y a un Spino, là. Je suis au spawn. Je sais pas du tout où je suis. On va essayer de se le fighter. Voilà, tout simplement. Et on va voir. Je pense que je n'ai aucune chance contre cette bestiole. Après, si je fais aucune erreur et que j'arrive à rester dans son... derrière lui... Il est ingérable, Spino. What? D'où il m'a touché, quoi? Eh, je l'ai mis mal, hein. Allez, le Spino! Trop facile en fait. Trop facile ce jeu. Non mais par contre ouais. Le ass ride dans ce jeu, il est beaucoup plus simple que dans The Hell. Parce que tu te bloques contre le dino. Du coup tu peux pas lui passer devant sans faire exprès, c'est impossible. T'as juste à faire attention et tu le défonces quoi. Je suis quasiment arrivé à l'endroit où je me suis fait tuer par le Sarcosuchus tout à l'heure. Je me suis posé histoire de reprendre ma stam. Et je sais pas si vous lui trouvez un petit lien de parenté,
Mais je trouve qu'il ressemble beaucoup à l'Indoraptor de Jurassic Park. Je trouve qu'il ressemble beaucoup et visiblement il est aussi puissant. Donc, très bien. Je suis très, très, très surpris de la force de cette bestiole. Quand on l'avait croisé avec le Metria, on l'avait déboîté, le Concavenator. Et en fin de compte, il est quand même très fort. Il est quand même très fort. Alors peut-être que vu que je joue un peu plus au jeu, je joue mieux. Peut-être, hein, je sais pas. C'est aussi quelque chose qui peut s'imaginer. Que le skill augmente. Parce que là, il y a vraiment une question skill dans ce jeu. Il n'y a pas de hitbox éclaté, il n'y a pas de machin. Tu arrives à faire ton ass ride. Tu vas pas lui passer devant. Tu vas pas te faire tuer par des coups de dents dans le vent. Donc là, il y a une question de skill, je pense, dans ce jeu. Et il y a des sarcosuchus. Il y a des sarcosuchus. Vous allez vous calmer, les sarcosuchus. T'es vivant, toi? Mais voilà, j'ai pas l'air gentil quand je fais ça. Pourquoi t'as la queue en l'air, toi? Vas-y, ils me font peur. Cours. Attends, le Metria, il s'attaque au petit Deinonychus, là? T'es sérieux, gros? Regardez-les tous, c'est fou, là. Non? Mais putain, mais ils sont trop chiants! Putain, je voulais m'amuser avec eux. Du coup, ça y est, je suis retourné à la plage. C'est terrible. Y'a quoi, là? Oh, yes, ça! Oh, yes, je vais le... Vas-y, je l'attaque. En plus, il saigne déjà. Vas-y. Il y a un autre truc là-bas, là. Il est mort. C'est un sarcosuchus. Non. Paf. Paf. Ouais, vous voyez comme il se retourne bien. C'est abusé, hein. C'est abusé comme il se retourne bien. On a vraiment pas le droit à l'erreur, quoi. Après, je l'ai bientôt défoncé, là. Voilà ce que c'est, un sarcosuchus. C'est ça, un sarcosuchus, ça fuit. Vas-y, viens te battre. Voilà, ça a peur, là. Il y a moyen de astraire un sarcosuchus, mais c'est beaucoup plus compliqué qu'un spino. Hein. Faut faire beaucoup plus gaffe. Eh, hey, tu prends pour tous les autres, tu étais gentil, mais... Non. Non. Non, pas ça. Non, je suis mort. Non, mais je suis mort. C'est ça le problème. T'es, il était presque crevé, ce con. Ah, sarcosuchus de merde. Oh, y a un herbivore là-bas, je crois. Je préfère m'en prendre un herbivore qu'au sarco, en vrai. Mais il va pas me laisser passer, c'est sûr. Il va pas me laisser passer, 100%. Je veux passer, moi, je veux juste passer. Je veux passer, bordel. Laisse-moi passer, bon sang de bois. L'herbivore, il y a quoi, là? Tu essaies de te le faire? Oui. Il a défoncé le suco, le sarcosuchus. C'est vraiment abusé. Il est où, l'herbie? Il est là. Je vais essayer. Ouais. Bon, il y a un Metria qui m'aide, mais je pense que j'avais pas besoin de son aide. Viens là, l'herbi. Tu fais quoi? Tu cours à deux à l'heure, de toute façon. Regardez-le, ce con de sarcosuchus. Ouah, le sarcosuchus, il a perdu. Il a mordu le lambéo. Et le sarcosuchus, il court vraiment plus vite que le lambéo, là. Mais c'est lui que j'avais entamé. Ouais, barre-toi, voilà, c'est ça, casse-toi en fait. C'est lui, je reconnais. Le lambéo, il est mort. Non, il est pas mort. Vas-y, go.
Ah, l'attaque. Il y a Métria qui lui court après. Il y a un Tiricia. C'est le bordel. C'est vraiment le bordel ce jeu, j'aime trop. Vu que tout le monde s'en fout de ces Dio, il y a tout le monde qui saute dans le tas à chaque fois. Ouais, t'es fait défoncer mon pote le Métria, mais je suis là avec toi, je suis avec toi. Ouais, il y a le Trike qui attaque le Lambéo aussi là. C'est même. Je sais pas s'il s'attaque ou si. Non, il l'aide. Il l'aide. Y'a quoi là-bas? Y'a encore embrouille. Oh, le Lambéo, il a pas l'air d'être si mal que ça. Hein. Ouais, lâche-moi toi. Toi, t'es mort. Voilà, les carnivores. Forza Carnivorus. Vas-y, mordez-le. Non, mais il va dans l'eau, il sert. Vas-y, fume-le. Ouais, le mec, il préfère se noyer que venir se battre, quoi. C'est. Je vois tellement pas l'intérêt. C'est un truc de fou, quoi. Regardez-le, ce nulos. Vraiment, c'est ridicule. C'est honteux, quoi. Il est là. What? Allez. Viens là. C'est dur. Oh, il fout le lag. Tu abandonnes? Tu sais que tu es mort? Bah, par contre, il faut beaucoup de coups pour le tuer. Hein. Allez, dégage. Il savait qu'il était perdu. Y'a quoi là-bas? Y'a un truc en embuscade. C'est quoi ça? C'est mort en tout cas. C'est la Métria. Mais arrêtez d'aller dans l'eau, mais c'est grave. Putain, les mecs, c'est trop des mauvais joueurs, quoi. Genre, ils préfèrent se noyer plutôt que de se faire tuer, quoi. C'est grave. Et tu vas te noyer et en même temps tu vas mourir. Voilà. Nulos. Je préfère te jeter dans l'eau que te battre. M'en fous, moi je viens te chercher dans l'eau. Toi c'est toi, je te reconnais là. C'est encore toi, t'es toujours vivant. Non. Non, pas dans l'eau. Wow. Oh, il a buté le Métria. Et il se casse dans l'eau. Vraiment. Il y a que des mecs qui ont peur de tout. Ah non, il revient. C'est vraiment chaud, hein, Sarko. C'est vraiment très très dur. Nulos! Non, il m'a mordu, putain! Il se glitch autour du rocher! Aïe. Bon, écoutez, le test du Concavenator est terminé. Et franchement, je pense qu'il a été rondement mené. On a vu que ce dinosaure était super bien, tout simplement super bien. Il a deux attaques, il a une stam de taré, il court vite. Bon, il court moins vite que le Métria quand même, mais bon, ça va. Il régène sa stam très vite aussi. Et surtout, c'est un assassin, j'adore les assassins. Et oui, ça vous le savez très bien. Donc le Concavenator, je kiffe de ouf. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Concavenator, est-ce que ça serait pas le plus fort qu'on a testé jusqu'à présent? Moi j'ai l'impression que oui. Après il y a quand même, voilà, là j'y joue quand même pas mal au jeu en ce moment. Et du coup on s'améliore un peu, on comprend un peu les techniques de combat. Toujours le Sarcosuchus qui reste impossible à tuer. Mais vraiment, il a eu chaud. Prochain dinosaure, je vous le dis, ça sera le Spino. Si vous voulez spammer les abonnements et les pouces bleus, ça, allez-y. Faites-vous plaisir. Ça sera tout pour cette vidéo. Tchuss tout le monde.